Donc on se retrouve et on va reprendre un petit peu les cours sur le renseignement. Ok? On va parler de UMIT, MassInt et Delete. Ok? Je vous ai déjà abordé pas mal de sujets. Hein. Donc on va voir un peu par quoi je vais commencer. Je sais pas trop. De toute façon, vaste sujet. Mais je vais vous parler un peu du MassInt. Ok? Parce que c'est celui qu'on connaît vraiment le moins. Ok, et qui limite le plus important. Donc MassInt, en fait, c'est quoi? C'est Measurement and Signature Intelligence. Ok, donc si on devrait le traduire, ça serait intelligence de mesure et de signature. Ok, donc l'intelligence de mesure et signature MassInt est une information scientifique et technique. C'est dérivé du techint dont je vais vous parler plus tard. Donc c'est en gros comment je peux obtenir des informations par l'analyse quantitative et qualitative des données. Les métriques, les angulaires, les spatiales, des longueurs d'onde, des dépendances temporelles, de la modulation, du plasma ou de l'hydromagnétique. Ok? Donc dériver des capteurs techniques spécifiques dans le but d'identifier toutes caractéristiques distinctives associées à la source, à l'émetteur, à l'expéditeur, pour faciliter l'identification ou la mesure ultérieure. Ok? Mesure, analyse des mesures, contre-mesure, mise en place de contre-mesures. Okay. Donc le MassInt, c'est assez vaste et il y a plein de sous-disciplines et je suis sûr vous en avez jamais entendu parler. Okay. Donc on a le Radar Intelligence, aka Radin. On a l'Acoustic Intelligence, hein, Acoustic Int. On a le Nuclear Intelligence, le Nukeint. On a le Radio Frequency Electromagnetic Pulse Intelligence, aka Tempest ou RF slash MPNT. Ensuite, on a l'Electro-Optical Intelligence, aka Electro-Optint. On a le Laser Intelligence, LASINT. On a le Materials Intelligence, l'Unintentional Radiation Intelligence, aka RINT. Chemical and Bio... Ah, je vais pas y arriver. Chemical and Biological Intelligence, CBINT. On a les armes dirigées. Direct Energy Weapons Intelligence, le DEWINT, DEWINT, Influent Debris Collection. Donc ça, c'est tout ce qui est dans l'espace. On va récupérer des débris pour pouvoir faire de l'intelligence technique. On a du Spectroscopic Intelligence. Donc c'est tout ce qui est analyse de spectromasse, hein, avec un appareil. On va pouvoir récupérer des données physiques et l'Infrared Intelligence. OK? Donc tout ce qui est infrarouge, intelligence des infrarouges. Donc vous voyez que ça en fait un paquet. Donc le MassInt, c'est le renseignement radar, c'est l'intelligence acoustique, c'est le renseignement nucléaire, c'est la radiofréquence, l'intelligence d'impulsion électromagnétique, c'est l'intelligence électro-optique, tout ce qu'on appelle capteur électro-optique dans l'armée. Intelligence laser, LASINT, avec des lasers on peut faire beaucoup de choses. Intelligence des matériaux. Renseignement et rayonnement non intentionnel, ok, lors d'essais éventuellement nucléaires, intelligence chimique et biologique, ok, tout ce qui est guerre biologique, guerre chimique, intelligence des armes à énergie dirigée, ok, c'est ce qu'on appelle les armes laser, hein, les armes à énergie dirigée, photons, etc., etc., infrarouge, il y en a un paquet, laser également. Collecte des effluents débris, intelligence spectroscopique, intelligence infrarouge. Ok, donc on a des données en entrée et ensuite eh ben, on peut en tirer des conclusions. C'est toujours le même principe. Imaginons que je récupère de l'imagerie thermique infrarouge. Hein, je vais voir où sont les points chauds, à quoi ressemble la cible en fonctionnement. Si j'ai de l'imagerie qui est proche de l'infrarouge, juste après la lumière visible, donc au niveau du spectre électromagnétique, je vais pouvoir utiliser des lunettes de vision nocturne, détecter du camouflage et utiliser tout ça pour des opérations de nuit sous couvert. Signature acoustique, à quoi ressemble le système? Où se trouve une cible telle qu'un tireur d'élite? Je vais pouvoir calculer en fonction de le bruit de la déflagration et la balle qui siffle dans mes oreilles. Ok? En fonction de ça, comme je peux calculer à partir d'un éclair, hein, et le temps que le tonnerre gronde, je vais pouvoir calculer la distance, hein, entre l'orage et moi. Là, c'est pareil, okay, un tireur d'élite, en fonction de comment vous vous êtes positionné,
et du flash, si vous voyez le flash, et vous comptez, si vous êtes pas trop stressé pour le faire, vous pouvez avoir une approximation de la distance du tir. Ok? Puisque c'est ce que, tout est basé en fait sur le principe Doppler, l'effet Doppler. Ok? L'effet Doppler, exactement, on sait tout ça. Ok? Une voiture qui arrive vers vous, c'est un bruit plutôt aigu, et quand elle s'éloigne, un bruit beaucoup plus grave. Ok? Donc grâce à ça, grâce à l'effet Doppler, on peut calculer énormément de choses. Ok? On a toutes les données sismiques. Il y a des capteurs sismiques qu'on peut camoufler dans n'importe quoi. Il y a même des faux cailloux qui sont capables de récupérer les données sismiques et on saura, par exemple, on va les larguer d'un avion, ça va se faire passer pour des cailloux. C'est parfait en Afghanistan. Et on va pouvoir récupérer, okay, tout ce qui est nucléaire, chimique, okay, et sismique. Okay, c'est des tout petits capteurs, c'est ce qu'on appelle la nanotechnologie, et on les camoufle dans des objets du quotidien, et on peut les parachuter aussi au-dessus du théâtre d'opération. Et le sismique, ça va nous permettre de connaître les déplacements de troupes. Okay, vous savez que s'il y a tout un peloton qui se déplace, eh ben, bien sûr, des hommes. Même à pied, ça fait du bruit, ok? Ça fait trembler. Et si on a des mouvements blindés, légers ou lourds également, ces données sismiques vont nous permettre de quantifier, ok? De qualifier, de quantifier la menace, de la catégoriser, la classifier, ok? On va savoir qu'est-ce qui se déplace, ok? Avant d'arriver sur le théâtre d'opération ou sur la zone de combat. Donc ensuite, on a tout ce qui est radar imagerie, ok? Et ça, c'est grâce au capteur électro-optique. Hein. On peut voir à travers la fumée, la brume, le feuillage ou même l'eau pour essayer de détecter, d'identifier une cible. Okay. L'imagerie de détection laser, hein. Comme on a un radar, on a le lidar. Le lidar, c'est le fonctionnement via laser en fait. Hein. Et on va pouvoir cartographier l'ensemble d'une zone. C'est extrêmement utile pour cartographier dans toutes conditions en fait, hein. Même de nuit. Et avec très peu de visibilité, en fait, cartographier le mappage au niveau du relief. Okay? Ça va permettre aux avions, aux hélicoptères de voler très proche. C'est ce qu'on appelle le vol tactique. Et grâce au laser, pouvoir créer, même avec des conditions de visibilité nulles, en fait, voir le relief. Okay? Pour pas se manger, eh ben, un canyon ou le haut d'une montagne, une ligne de crête. Okay? Puisqu'on va très vite et très bas. Pour pas que justement la DCA puisse nous engager. On vole sous la couverture radar et justement la vitesse, la basse altitude empêche à la partie adverse de calculer une solution de tir pour engager nos aéronefs. C'est une des techniques. Profilage et dimension des caractéristiques. Là c'est pareil. Quand on va faire du tanking, pardon, je vais vous en parler. Il va falloir catégoriser le matériel. Ok, ses dimensions, le poids, la capacité, la couleur, prendre en charge la modélisation, la simulation, le développement des algorithmes qui sont associés, mesure, contre-mesure. Ok. Donc, ça, c'est une photo de la NSA dans les années 50. Ok. Et pour rester sur le sujet, le tekint, on va en parler un peu, mais c'est exactement ça. C'est le profilage des dimensions, des caractéristiques. Ok. Je dois être capable de reconnaître n'importe quel matériel. N'importe quel matériel. Ok? Je dois avoir des connaissances. C'est pour ça qu'on a des analystes. Ok? C-130. Ok? Globemaster. B2. Furtif. Ok? Prochain avion n'existe pas. OV-22 Osprey. F-18 Hornet. Ok? On doit connaître tout le matériel. Hawkeye. Lutte anti-radar. Enfin, radar. Reconnaissance. Ok? C'est ce qu'on appelle les AWACS. Ça, c'est un Hawkeye. Il est plus petit que la AWACS, qui est beaucoup plus grand. Lui, on peut le prendre sur un porte-avions. Donc, vous devez connaître KC 135, 137, ravitaillement en vol. Okay. On les a achetés aux Américains. On s'en sert, nous, les Français. OK? Donc, dès qu'on vous montre une photo, qu'est-ce que le but de l'analyste? Le but de l'analyste, c'est de reconnaître immédiatement le matériel. OK? Ça, c'est un Crusader. C'est un avion de la marine américaine qui a servi pendant la guerre froide, ok, monomoteur, et qui permet de faire de l'attaque au sol. Et trois Crusaders. Donc, voilà, on va apprendre à
reconnaître le matériel. OK? La fuite, pardon, pareil, 3. Donc, vous voyez, j'ai quelques lacunes. Mais c'est le principe. Reconnaître à chaque fois les avions en fonction de ce qu'on vous donne. OK? Donc, ça, c'est vraiment important. C'est tout le boulot du tech int. C'est de connaître l'armement. Connaître n'importe quel armement. Dans les airs, sur la mer, sous la mer et sur la terre. OK? Vous devez tout connaître. Que ça soit les bombes, les missiles, les fusils d'assaut, hein, n'importe quelle arme, hein, légère ou lourde, utilisée en infanterie ou éventuellement ben, dans les arts. Ok? Là, on a un Sukhoi, Sukhoi d'attaque au sol. C'est un SU-24 de mémoire. Ouais, ok. Donc voilà, c'est un entraînement intellectuel et connaître n'importe quelle arme, savoir un petit peu. F5 Dagger. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vite fait. Ok. De mémoire. 59. Fabricant 59. Mise en service 1964. On a quoi? 2 millions d'exemplaires de mémoire. Et c'est un monomoteur. Enfin, un bimoteur, pardon. D'attaque au sol et de supériorité aérienne. Ok. Donc, tout de suite, pour être à l'aise, reconnaître n'importe quel. Parce que c'est bien de connaître les forces de l'OTAN. Mais pendant la guerre froide, pardon, faut connaître aussi le pacte de Varsovie. Ok, ça c'est quoi? C'est un Mikoyan Gourevitch MiG-29, entré en service 1977. Ok, prototype mise en place 1983, un ou deux pilotes. Ok, deux Klimov R33D. Ça c'est les réacteurs. Ok, post-combustion 80 kN. Donc voilà, tout de suite, on va identifier le matériel, on va le catégoriser, on va le classifier. Menace très importante. Ok? Cet avion, en fait, il devait être pas cher. Il devait se battre contre l'équivalent, le F-16 américain. Ok? C'est l'épine dorsale de la défense de la Russie, ok, hein, à l'époque soviétique. Et donc, c'est un avion léger, ok, qui est capable même d'atterrir sur des pistes de fortune. Donc c'est tout l'avantage. Le MiG-29 est assez incroyable. Il est capable, comme le Sukhoi 27, de faire le Cobra de Pugachev. Et qui permet d'avoir un avantage tactique en dogfight. Okay? Ça c'est le Cobra de Pugachev, en fait. Il se dresse et vous passez de 600 km/h à peine 100 km/h en quelques secondes. Si vous faites ça, l'avion qui est derrière vous, il vous dépasse. Et là, vous redressez l'avion, vous le loquez via les capteurs électro-optiques, ok, qui sont placés sur le Sukhoi 27 ou le MiG-29 à l'avant. Là, il y a des capteurs électro-optiques, ok, et vous loquez via l'infrarouge, en fait. Vous lancez un missile, ok, via l'infrarouge qui va capter la chaleur des tuyères d'échappement de l'avion adverse et vous allez le tuer, ok. Donc, on peut vraiment faire. C'est des trucs quasiment impossibles, ok? Et on peut le faire dans les deux sens. Donc à l'envers, à l'endroit. Et c'est ce qu'on appelle le principe d'hyper-manœuvrabilité en aéronautique, ok? Avec maintenant les prochains avions ont ce qu'on appelle la poussée vectorielle, ok? Avant, les gaz des réacteurs étaient dirigés dans une direction. Maintenant, on peut les faire évoluer non seulement de haut en bas, comme sur le F-22 américain, ok, mais on a les Russes qui sont encore plus évolués puisque eux c'est X, Y et Z. Donc on voit qu'on peut modifier sur les trois plans via la poussée vectorielle. Et ça permet d'obtenir la super manœuvrabilité, ce qu'on appelle la poussée vectorielle, comme je vous le disais, très utilisée, ok. Donc voilà, ça permet de diriger les flux comme le Harrier. Qui était un avion qui permettait de décoller à la verticale. Donc les Russes, les Chinois, tout le monde s'y met en fait. Et la poussée vectorielle, c'est vraiment très intéressant comme concept. Et là, on la voit concrètement sur le Harrier. Tout le monde connaît, avion pareil de la guerre froide, hein, anglais, AVB-82, qui a été vendu ensuite à la marine américaine, les Marines, et qui va être remplacé par le futur F-35. Donc voilà, connaître la technique, l'ingénierie en fait. Tout ça, c'est l'art du massint, c'est l'art aussi du tekint.
dont je vais vous parler. Mais c'était juste pour vous donner des exemples comme ça. Donc on a deux distinctions importantes entre le Massint et les autres systèmes de renseignement. En fait, c'est la maturité et la diversité des systèmes et des composants. Les technologies Massint sont à la fois immatures et diverses. L'accent est mis sur le soutien à la recherche et au développement qui caractérise la collecte et le traitement antérieur de Massint. Et ça a évolué au fil du temps. La mise en service de systèmes d'armes modernes a poussé les techniques de renseignement à évoluer. Okay? Donc avant, on utilisait des bibliothèques, des signatures. Hein? C'est ce qu'on appelle le SAR, je vous l'ai déjà dit, c'est la signature équivalente radar, en fait, le SER, pardon, SER, ça permet de détecter en fait l'empreinte, hein, l'empreinte digitale au niveau du spectre électromagnétique, au niveau d'un radar. Okay? Plus le SER est petit, plus l'avion est furtif. Hein? Mais ce n'est pas forcément un avion, ça peut être un tank, ça peut être n'importe quoi. Okay? Donc ça permet d'intégrer, hein, et d'effectuer des fonctions autonomes de détection, de classification, de suivi ou d'engagement. Un exemple, dans les sous-marins, on a des bases de données, ok? Et dès qu'il y a une signature qui est relevée par les grandes oreilles, hein, donc ce sont les gens qui ont une ouïe absolue et qui vont écouter le bruit des sonars, et après c'est corrélé via des algorithmes, et on va récupérer en fonction du nombre de pales, hein, du nombre de moteurs, est-ce que c'est un moteur thermique ou nucléaire? Enfin bref, il y a plein de caractéristiques qui vont donner une signature typique, en fait. Et on va savoir quel tonnage fait le bateau, est-ce que c'est un bateau de fret, est-ce que c'est un chalutier, est-ce que c'est un navire de guerre, ok? Et on va pouvoir classifier en temps réel la menace, ok? Les menaces les moins pertinentes, les moins dangereuses sont laissées à l'abandon, et le but, c'est de se focaliser sur la menace la plus proche, ok? Que vous soyez sous l'eau, sur la terre, dans les airs, ok? Sur la mer. C'est tout le temps pareil. C'est le principe de catégorisation et de classification. Donc le but, c'est la détection des intrus, hein, préparer les solutions de tir, si jamais il faut se défendre ou attaquer. Et pareil, alerte des lancements de missiles stratégiques, surveillance des essais d'armes nucléaires de nos adversaires. Et actuellement, en développement, on a plein de rôles différents. Si je dois vous parler un peu du ministère de la Défense, le DoD américain, on a également la DIA, parce qu'il y a peu de gens qui connaissent la DIA, mais ça, c'est la DIA, à pas confondre avec la NSA ou la CIA. OK? Ça, c'est le renseignement militaire américain. OK? C'est la DIA. Et ça assure en fait la coordination, je vais arriver, centrale des efforts de collecte Massint. C'est eux qui s'occupent de ça en fait. Hein. On pense tout le temps à la NSA, mais je vous ai dit, il y a des sociétés bien plus puissantes que la NSA, on n'en parle jamais, elles sont encore plus secrètes. Okay? La DIA en fait partie, et on a le NRO. Hein. Le NRO, personne n'en entend parler. Ce sont les gens les plus puissants. C'est ce qu'on appelle le GEOINT. Okay? Tir. De l'espace, vous pouvez observer, ok? Le National Reconnaissance Office, ok? Ces gens-là sont bien plus puissants que la NSA. Pourtant, tout le temps, on veut parler de la NSA. La NSA, c'est rien. Vous n'oubliez pas que vous avez 16 agences de renseignement, hein, au sein des États-Unis. Donc, on n'en connaît que quelque peu, ok? Mais il y en a qui sont beaucoup plus puissantes. Et généralement, dans le renseignement, plus c'est puissant, plus ça travaille sur des black projects, moins vous n'entendrez parler, même dans les films hollywoodiens. OK? Plus c'est secret, moins vous en savez. C'est le principe de compartimentation. Donc, la responsabilité de l'armée, en fait, incombe, hein, je rappelle, aux commandes de renseignement et de sécurité. C'est ce qu'on appelle l'INSCOM aux États-Unis, en fait. Hein, et pour chaque service, à son tour, on a une activité principale de commandement ou d'état-major pour développer les exigences et coordonner l'effort Massint. Donc, on a des programmes de système d'armes de l'armée qui nécessitent des informations Massint pour soutenir la conception ou le fonctionnement du système, et elles soumettent ces demandes via l'INSCOM pour la collecte et le traitement des données. La collecte et le traitement des données Massint sont principalement effectuées par la communauté du renseignement scientifique et technique. C'est ce qu'on appelle le STI, pardon, STI, ok? S, a person, T-I. Et ça permet de soutenir les programmes de recherche et de développement, ce qu'on appelle plus communément
le RD, ok? RD. Donc, chaque centre STI a une certaine implication dans la collecte ou la production MACID qui reflète la mission globale de ce centre. On peut citer le NGIC, donc NGIC, National Ground Intelligence Center, qui travaille sur les véhicules blindés, l'artillerie, par exemple. On a d'autres centres de recherche et développement. Je peux vous citer, pardon, le SECOM, OK? SECOM, Communication Electronic Command, OK? Donc tout ce qui est ELINT, hein, guerre électronique, centre de développement d'ingénierie, hein, qu'on appelle le REDEC, non RDEC, le laboratoire de vision nocturne ou de système électronique, NVES, OK? Qui va travailler sur toutes les technologies qui nous permettent de voir dans l'ensemble du spectre électromagnétique, ok? Nos yeux, vous le savez, nos yeux ne voient qu'une partie du spectre électromagnétique, ok? On est incapable de voir l'infrarouge, on est incapable de voir les rayons alpha, bêta, gamma, ok? Et d'autres. Donc, pareil, les ondes radio, vous ne les voyez pas, vous n'y êtes pas sensible. Pourtant, vous baignez dans le Wi-Fi, vous baignez dans les ondes radio, ok? Et pourtant, vous ne le sentez pas, vous ne le voyez pas, ok? Donc, dites-vous que on a tendance tout le temps à uniquement en fait à réfléchir en termes de avec nos yeux ce qu'on peut voir, ce qu'on peut voir, mais dans le secteur de la défense, il y a plein de choses qui sont invisibles. Il y a la guerre de l'invisible, ok? C'est pas uniquement les cyberattaques. Il y a plein d'autres composantes qui ne se voient pas. Je peux vous donner juste un exemple. Un SNA ou un SNM, un sous-marin, donc soit d'attaque ou lanceur de missiles balistiques intercontinentaux thermonucléaires, ils vivent sous l'eau pendant 6 mois. Okay? On ne connaît pas leur mission, on ne sait pas où ils sont, et c'est le but de la dissuasion nucléaire. Mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ton adversaire n'a pas le pouvoir de lancer une frappe, okay? Et de se défendre. Okay? C'est le principe de la dissuasion nucléaire dans les doctrines militaires après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, je peux vous parler de MAD, hein. MAD, théorie de destruction mutuelle assuré. Ok. Donc ça, c'était le principe hein, pendant la guerre froide. Si jamais tu m'attaques, eh ben, je te promets que je te détruirai. Autant que tu vas me faire mal, je te ferai mal. Ok. Quitte à détruire la planète, hein, parce qu'on parle ensuite d'hiver nucléaire. Ok. En gros, les radiations, le champignon atomique, quand on commence à utiliser des armes avec 100 mégatonnes, 75 mégatonnes, comme étaient capables les Russes, hein. Ils sont capables, il y a la Tsar Bomb, hein, que je vous conseille, qui était une des plus grosses bombes, eh ben, c'est pareil, quoi. On sait que le nuage ne sert à rien, il est tellement puissant que finalement, eh ben, voilà, allez voir la Tsar Bomba, ok? Une des plus grosses bombes, et je sais plus combien, mais je crois qu'on parle de 75 mégatonnes, ok? Et donc le champignon part à 120 km au-dessus, donc dans la stratosphère, hein, honnêtement. Quel est l'intérêt? Aucun, en fait. Les trois quarts de l'énergie est perdue, puisque l'onde de choc, le blast, part, ok, dans l'espace. Donc tout le but, c'est de faire péter la bombe au ras du sol, hein, à 1000 mètres, 300 mètres, pour maximiser, en fait, hein, la destruction. Donc tout ça, c'était calculé, c'est ce qu'on a appelé la théorie MAD ou l'équilibre de la terreur pendant la guerre froide. Ok? L'équilibre de la terreur ou la destruction mutuelle assurée. DMA en français ou MAD en anglais. Donc c'est une doctrine militaire de stratégie au niveau de la dissuasion nucléaire. Ok? Donc voilà, tout ça, c'est être à l'aise, comprendre tous ces concepts. Et voilà, c'était ma petite introduction au niveau du MASINT, comprendre que les informations, chaque corps d'armée, chaque corps de renseignement a ses propres cellules MASINT, ok? Et c'est pas vraiment géré de manière centralisée, en fait. Les données, elles sont collectées par rapport aux exigences spécifiques du service et ça soutient les efforts de développement classifié, ce qu'on appelle les Black Project. En conséquence, les informations sont difficiles à trouver ou à récupérer à une date ultérieure. Un exemple, en 1990, l'armée américaine a lancé un effort de gestion de données pour contrôler, hein, saisir, fournir toutes les informations MASINT au sein des différents services, des différentes branches de l'armée américaine de manière consolidée.
Ceci est similaire à celui disponible hein, pour les communautés SIGINT et ELINT dans la base de données, hein, ce qu'on parle de reprogrammation intégrée à la guerre électronique, ce qu'on appelle le WIR, et le kitting, ou les systèmes de communication, hein, ou de non-communication, pardon, qu'on appelle NCSDB. Cet effort a évolué en une initiative à l'échelle du DoD, géré par le NGIC, qu'on appelle National Target Signature Data System, le NTSDS. Donc fusion de cette recherche et développement, on a des scientifiques qui travaillent sur des projets top secrets dans n'importe quelle branche, hein, et c'est ce qu'on appelle le renseignement technique. Je vais creuser le sujet et je vous ai déjà donné un bref aperçu. Ok, concrètement, qu'est-ce que c'était? C'est la reconnaissance de n'importe quel matériel technique de guerre, ok? Tant en termes de mesures, de contre-mesures, et aussi pouvoir bah, classifier et s'intéresser à un ensemble de pratiques, ok? La guerre électronique, et les systèmes de communication, de non-communication, etc. Il y en a un paquet, donc c'est un large spectre pour les armées. Voilà. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.